Il est avec nous en plus. Carrément, t'as vu, il a eu son grade master. Bah ouais, je suis avec vous les frères, ça va ou quoi? Ouah, je suis mort. Oh, c'est quoi? C'est trop bizarre, carrément. Les frérots, j'enregistre une vidéo, j'ai vraiment envie de gagner. Venez, on gagne. Ah, on va gagner, on va winner. Plan, plan. Mort. Un HP sur le point. Un HP sur le point. Voilà, vous voyez. Je tombe avec des abonnés. Blanc. Mort. Encore un HP devant. À ta droite, frérot. J'ai une aide, attention. Bien joué! Oh, mort, mort! Prends un HP devant toi, Casey! J'ai trop, j'ai trop. Voilà, bonne ambiance! Mort! Oui, c'est juste. Voilà! Le double! Le triple! Le triple pour Zach! Et attention! Voilà! Nice. Je tombe avec des abonnés, ou en tout cas des mecs qui me reconnaissent, et en plus de ça, les mecs sont trop sympas! Ça comme, et il y a bonne ambiance! Ah, ça me fait plaisir! Sachez que ça me fait vraiment plaisir! Cette partie me fait chaud au cœur, donc je les en remercie. Et la ligue, bon, il y a des défauts. Alors, je me permets juste de les muter rapidement parce que j'ai quand même envie de parler. Je crois que vous les entendez tout le long. Je les redémuterai voilà, dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, je pense également à eux. Donc, ça me fait plaisir de tomber sur des abonnés et des mecs qu'on reconnaît. Et au global, la ligue, dans son fonctionnement, etc., vu qu'ils viennent quand même d'apporter des modifications, est ultra plaisante à jouer malgré quelques petits défauts. On peut peut-être, vu qu'ils ont été réactifs, se laisser penser, imaginer qu'ils peuvent peut-être apporter des modifs au système de classement qui, lui, et je pense qu'on est d'accord de manière unanime sur ça, n'est vraiment pas terrible. Et je dirais même difficilement... Oh, dommage, ah, qui est difficilement compréhensible, d'accord? Ça, c'est vrai qu'on en est encore sur un bail où on a encore du mal à bien comprendre master, hors argent, avancé, compétiteur, etc. C'est assez flou. Et s'ils peuvent apporter des modifs sur ça, ce sera vraiment parfait, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution pour un truc qui gâche vraiment le plaisir de jeu de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. C'est les 3v4 et les 2v4. Alors moi, j'aime bien jouer en groupe, je joue souvent en groupe, et d'ailleurs, je trouve ça d'ailleurs très dommage au passage, tu vois, qu'il n'ait pas mis de différentiel entre quand tu joues en 3v4, on est en train de les éclater. Oh, j'ai été outgun. Quand tu joues en 3 et en 2v4, il devrait pour moi y avoir une différence entre le 3v4 et le 1v4, 2v4, parce que... à l'heure actuelle, j'ai joué en groupe face à des mecs solo et j'ai des mecs solo qui ont joué contre mon groupe et inversement, je suis tombé contre des groupes. Quand t'es solo et que tu tombes sur un groupe de 4 de mecs qui savent jouer, qui comment entre eux, etc., c'est beaucoup plus difficile que quand tu tombes sur des sections solo duo. Donc, pour moi, il devrait y avoir deux ranks différents. Ton rank solo duo et ton rank quand tu joues à 4 qui devrait être clairement différencié. Et dans la même mesure, il devrait trouver une solution pour les mecs qui quittent parce que je pense qu'il y a un gros problème avec le jeu. C'est-à-dire que plein de fois, vous voyez, je suis dans des games, même avec des fois quand je joue en groupe, vous voyez, et je tombe sur des bonhommes. Qui quitte, mais avant même que la map ait commencé. C'est-à-dire que dans le chargement, bam, on voit direct qu'on est en 3v4. Alors, soit il faudrait que dans le chargement, en 3v4, la game ne se lance pas, ou faire en sorte que la perte de points soit moins élevée si le mec a fini en 3v4, parce que tout ça, genre... Et bien sûr, trouver également des sanctions plus élevées pour les quitteurs, parce que les quitteurs gâchent absolument tout le plaisir de jeu des personnes qui essayent de tryhard, mais pas que le plaisir de jeu, mais également le rank, et ça c'est vraiment très très grave, tu vois. On va se concentrer, j'ai pas fait un kill depuis... Voilà, j'ai pas fait un kill depuis tout à l'heure, là on a fait moins 3, c'est bien. On va aller sur le point directement, hop. Il est en face. Il est en face. Hey. Voilà, j'ai la capture partielle maintenant. Maintenant, je peux reculer, faire mon kill war. Hop, ils vont avancer avec moi. Super. Voilà, let's go. On va avancer. Je vais avancer chez eux, regardez. Hop, on va faire Zach le kill war encore. Tac, tac, tac. Oh, dommage, je l'avais pas vu. J'ai failli l'avoir. Donc oui, une sanction plus élevée pour contrer les 3v4 et du coup, une perte de points moins grosse pour ceux qui subissent quelqu'un qui a quitté ou quelqu'un qui a bugué dans l'accueil. Et puis... Au global aussi, réglez vos soucis, hein, ce serait bien, parce que je suis sûr et certain qu'il y a un souci. Même moi qui ai une connexion béton, tu vois, of the world, avec 3 de ping, mes couilles en ski et compagnie. Je subis ce genre de problème, ou en mode ça me fait ouais la session de jeu n'est plus disponible. La session de jeu n'est plus disponible machin, et je pense qu'à l'échelle de connexion de Zach Nani, on peut pas réellement dire que c'est parce que j'ai une côte paysan quoi, tu vois ce que je veux dire? On peut pas vraiment accuser la connexion du casse Nani d'être responsable de ceci, tu vois. Oh, on est en train de gagner, c'est propre. Attends, je vais les démuter. Faites attention les vies les frères. Je streak, je streak, je... Ah merde, ah je streak au pile, oh là là, je streak au même moment. Ah, quoi? J'étais
détruis 6 Tesson profit, frère. Il me fume. C'est ma première game de la journée, elle est un peu plus calme. What, MHP, vraiment MHP. Tranquille. Escalier. Derrière toi, le frérot. Oh non, il m'a entendu. Ah, c'est dur, il m'a entendu, je m'attendais pas. Ah, je pensais que j'allais prendre un free kill. 8 versus 12, c'est le mode contrôle. Alors, je l'avoue, le mode contrôle est pas mal. Pas mon préféré, mais je dirais qu'il est pas immonde. Par contre, j'avoue que la capture du drapeau OG manque un petit peu. La capture du drapeau... Oh, ce qu'il vient de prendre, lui, dans la cuisine. Ce qu'il vient de prendre. Est-ce qu'on va gagner? Regardez. Ouais, ça arrive à rien. 8 pour 7. Ça arrive, basket, y'en a un. Je mets un prédateur. Attention, je recule. Bien, petit. Let's go! On a gagné! Wouhou! Ça fait que 2-0. Le mode contrôle est quand même assez marrant, ça change un petit peu. Et la capture du drapeau qu'on a connu, tu sais, à l'époque, MW3, BO2, Black Ops 1, peut-être pour les plus anciens, qui a été un mode qu'on a vraiment tous kiffé, était devenu, et ça c'est Wailers qui me le disait quand je jouais avec lui après, c'était devenu assez ennuyeux apparemment, et vraiment de moins en moins cool. Je savais même pas qu'on pouvait tirer sur ce travers là. De moins en moins cool au global. Et ce petit mode contrôle, j'avoue, fait plaisir. Attends, comment ils s'en sortent les frérots avec moi? 14-7, 15-12, 27-8. Ah ouais, 27-8 là, t'es chaud, hein. T'es chaud, cousin. Ouais, je te le dis, hein. Il est bouillant, le mec. Je te kiffe, ah bah gros, tu me fais plaisir là, je suis en train d'enregistrer une vidéo, t'es là, tu carimes, c'est bon, tu es content. Ouais, je te kiffe. Oh, t'as moins 3 là. Presse. Moins 4, moins 5, je sais plus combien, c'est un massacre. Ok, moins 1. Zigzag. Oh. Moins 2 pour Zach, on est bien. Oh, dommage, à droite, il retourne dans l'appart. Et bon, au final, avec quelques jours de recul, etc., est-ce que vous arrivez, vous, à apprécier quand même le mode League? Est-ce que jouer sur un mode épuré vous fait plaisir, même si le système de classement est pas terrible? Oh, quels sont les commentaires que vous auriez à dire et qu'est-ce que vous auriez à retenir? Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est pour ça que, par exemple, j'ai eu des personnes, tu sais, qui sont venues sur mon stream dès que je streamais dessus et que quand j'ai dit que je m'amusais quand même, tu vois, une fois in-game, surtout maintenant qu'ils ont encore un peu plus épuré le truc. Ah, il est wet. Il y a des personnes qui m'ont dit un peu limite, toi Zach, t'es hypocrite parce que tu disais que t'as fait une vidéo, le mode League est nul, et puis après derrière tu t'amuses un peu dessus, c'est un peu naze. Top prêt, tu vas pas toucher. Hop là. Alors que pour le coup. Mort, top prêt. Encore. Vu que j'ai quand même pas mal expliqué ce que je reprochais, tu vois, à la ligue, à savoir le fait de pas être proche des pros et d'avoir un système de classement naze, bon, vu qu'il nous reste entre guillemets que le système de classement naze, je trouve que c'est un peu plus propre que. Au tout début, voyez-vous. Alors attention. Oh, ils ont tenté les deux. What? Ils ont tenté de regarder comme ça, je m'y attendais pas. Oh, ils vont réussir à choper B, c'est bien, ça va rendre la game un peu plus serrée là. Hop. Ça va la faire gagner du temps. 13-15 en vue, hein. 13-15 en vue, faut faire attention. Deux banques. Faut faire attention. Hop. Elle est à ma gauche. Ça vous fait le back. Oh, encore un. Ah, je l'avais pas vu, putain, c'est dur. RCXD ennemi détecté. Ah oui, la RCXD, frère. Oh non, la RCXD, ça va falloir en parler, ça. Ça va falloir qu'il la nerfe, qu'il l'enlève, qu'il la touche. De même pour les trophies. Oh, la RCXD, habituellement, c'est... C'est petite voiturette, tu vois, qui explose au calme. Non, je voulais avoir du shoot, j'ai manqué de shoot. Alors que dans ce fucking jeu, la RCXD, c'est une bombe nucléaire sur roue, ça rend malade, frère. Le truc, vraiment, il explose à 5 mètres de toi. De même pour les trophies qui captent tout, gros, le Fabien Barthez du retrait de grenade, ça rend malade, vraiment. Ils ont un gros travail à faire sur ces saloperies, là. 7 à 8. Aïe. Failli stun mon allié. Failli mourir à cause de son streak. Oh, c'est dur. 5 à 4. C'est dur, ça devient un peu de la SND. C'est quoi, je fais le back? Regarde, je fais le grand back. Là, vu qu'ils ont plus de spawn, je peux me le permettre. Je peux me le permettre. 3-22. Oh, c'est dur. Oh, manche perdue. Aïe, le grand back qui n'est pas passé. J'aurais peut-être dû suivre l'autre, j'aurais peut-être dû le suivre, j'avais peur qu'il m'entende. J'aurais peut-être dû le suivre, franchement je pense que j'ai mal joué. Ah là c'était serré, 2 à 1, attention les mecs, c'est pas fini. Transpirer du fiacos sur Call of Duty. J'aime bien le faire quand il y a des classements et une raison. Allez, let's go. On repart sur la victoire, là. On finit 3-1, voilà. Oh, ils sont plus que 3. Ça, par exemple, voilà, c'est n'importe quoi. Le mec, délai dépassé. Donc, soit il a quitté alors qu'ils viennent de revenir à 3-1, ce qui est en soi, voilà, très peu probable. Hein. Le mec va pas quitter alors qu'ils viennent. Let's go. Vas-y.
de réduire le retard. Soit il a bugué en plein milieu de la partie, et auquel cas, bah, y a un vrai problème aussi avec ce que Axie fait, tu vois. Parce que franchement, je pense vraiment qu'il y a un problème dans la capacité des parties à assumer le host, l'host. Les forces hostiles contestent Alpha. Doucement, monsieur. Merci. Capture partielle, je vais mettre ça. Basket, basket à droite. Bien joué, Bogus. Let's go! Allez, on tient B, c'est bien. Bien, reviens petit. Alors là, je flex tout de suite en 3v4, enfin en 4v3, parce qu'on a bien l'avantage. Je me suis amusé là, j'ai fait le gamin. Ah, mon shoot! Il y en a un chez nous. Pente. Chez nous derrière. Bon, bah écoutez, c'est une victoire! GG, c'est une victoire qui est proposée. Dis-moi. Zach Nani! Je te suis dit que AW. Ah bah on est ensemble, mon gars, on est ensemble. Regardez, on a gagné une partie ensemble. Oh là là, ça fait plaisir. Ouais, c'est la première fois. Bah, ça fait plaisir. Boum! T'es un beau. Bah, vas-y, génial. Et bah voilà! On a fait plaisir à des abonnés, on a gagné une partie, et j'espère également que ça s'est fait plaisir sur YouTube. Bon, et bah voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, on remonte dans le classement. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!